Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4 Remake. On va découvrir ensemble le mode mercenaire qui est sorti aujourd'hui, qui est disponible sur toutes les plateformes, sur PC, Xbox Series, PlayStation 5. Voilà, vous pouvez y accéder, le mode mercenaire, le fameux mode mercenaire qui avait eu beaucoup de succès à la sortie de Resident Evil 4 justement. Il était dans le Resident Evil 4 original. Ils l'ont proposé dans Resident Evil Village également quand il est sorti. Et puis, eh bien, maintenant, on peut accéder voilà, au mode mercenaire de Resident Evil 4 Remake. On va le découvrir ensemble, mais sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochains contenus sur Resident Evil, puisque il y a du lourd qui arrive prochainement sur Resident Evil, enfin sur ma chaîne YouTube, il y a du lourd. Il y a tout un let's play, plutôt un guide, on va dire, pour faire le jeu en mode professionnel et avoir le rang S+, tout un guide qui arrive sans coupure. Ça sera donc une très longue vidéo de plusieurs heures, voilà. Donc ça sera un gros guide. J'avais envie de le faire, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont fait des guides sur YouTube. Moi j'avais envie de faire aussi un guide, j'ai envie qu'il soit sur ma chaîne. Et voilà, j'ai envie de vous proposer mon point de vue et mes petites astuces à moi pour faire facilement le jeu en rang en difficulté professionnelle et débloquer ainsi le rang S+, qui nous donne eh bien, des avantages après, qui nous donne des récompenses très intéressantes. Voilà, on perd pas de temps, posez votre petit pouce bleu, je ne sais même pas si je l'ai déjà dit. On va faire donc le mode mercenaire, on est donc dans le menu des mercenaires, on fait commencer. J'y ai déjà joué un tout petit peu, j'ai fait une première partie, j'ai même eu le rang S, donc ce qui est cool. Alors on va commencer par le village. Et évidemment, bah, je vais vous proposer un premier gameplay avec Léon. Ensuite, on aura Louis. Après, il y a un autre personnage ici qui, vraisemblablement, si on regarde un petit peu la silhouette, semble être Krauser. Voilà, débloquable en obtenant le rang A ou plus dans n'importe quel niveau avec Louis. Ah d'accord, ok. Et personnage, là, je pense que ça doit être Hunk de Resident Evil 2. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait dans le mode mercenaire de Resident Evil 4, mais pourquoi pas Hunk qu'on pouvait déjà incarner dans les DLC dans Resident Evil 2 Remake. Voilà, en mode assaut, il peut te poser de la dynamite avec R3. Ah, ça, c'est stylé. Alors, on commence avec Léon ou Louis? Avec Léon, naturellement, c'est parti. On perd pas de temps. Allez, on y va. Cette vidéo sera relativement courte. On va explorer un peu les niveaux et les différents personnages. Le but, c'est pas de péter les... C'est pas de péter les scores. Et c'est parti, on est donc avec Léon dans le village. Alors, on y va. Hop, let's go. Voilà, alors là le but c'est de faire un maximum de combos comme vous pouvez le voir. Attention. Hop, combo 3. Hop, tête. Je pense que le meilleur conseil que je puisse... Oh là, vite, faites là-bas. Regardez, vous voyez la petite jauge du combo. Pourquoi je pouvais pas prendre le bonus ici, le bonus de temps? Ah ouais, d'accord, il faut appuyer. Hop, voilà. Alors j'ai l'impression quand même que ce mode mercenaire est un peu plus simple que celui qu'on pouvait faire dans RE4. Mais il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, les gars. Ça va être embêtant. Je veux pas que mon combo s'arrête. Si, il y en a un là. Il y en a un là. Waouh. Non, faut pas que mon combo s'arrête. Oh, let's go. Oh non, j'ai failli. Oh, je voulais pas que mon combo s'arrête. Mais là, par contre, les cocos, si j'ai pas d'ennemis. Alors, il faut peut-être rester au niveau du centre de la place du village. Voilà, c'est ça. Vidéo, cours, je cours, je cours. Je veux pas que mon combo... Voilà, moi je vais enchaîner parce que j'ai quand même réussi à faire un combo de plus de 100, ce qui était cool. On peut faire des parades toujours, hein, évidemment. C'est très intéressant d'ailleurs quand on fait des parades. Et c'est quand même comme ça que j'ai eu le rang S, c'est en faisant eh bien, un combo de plus de 100. Alors là, vous voyez, je peux activer le mode entre guillemets spécialiste. On a le mode attaque spéciale en fait qui one-shot les ennemis quand il est activé. Alors je suppose 20 ennemis tués, j'ai un bonus de temps, let's go. Hop, vite, on va le kick celui-là. Le demi-tour rapide, on y pense. Il est très fun ce mode mercenaire, je le trouve même un peu plus fun que celui de Resident Evil Village. Beaucoup plus de sensas, celui de Resident Evil Village. Voilà, il fallait faire exploser ça, comme ça on est tranquille. Vas-y, je cours, je cours, je cours, je cours. Le kick, on fait demi-tour, on enchaîne, on n'arrête pas les gars. C'est le mode mercenaire, attention. Voilà, c'est bon. Je suis content. Oh là, attention. Oh là là, deuxième parade. Oh genre. Let's go. Let's go. Waouh, j'ai fait un gros kick, un kick du futur là. Attention, attention parce qu'ils peuvent se transformer en plaga.
Lui aussi tremble à droite. Vite, 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 on se grouille. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Attention. Oh la vache, il est... Oh là, il y a un gros là. Il y a un gros. Il faut que je me relève. Il faut que je me relève. Il faut que j'y aille au fusil à pompe. Ouais, c'est bon. Comme ça, ça me conserve mon combo. C'est très très important de conserver le combo. Je vais mettre une greu là, ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Attention, on m'attaque. Voilà, c'est bon, le combo est conservé. Par contre, je commence à prendre des dégâts. On va activer le mode assaut. Alors, le mode assaut est vraiment très fun. Comme vous voyez, je l'ai activé. Ouais, ça s'appelle le mode assaut. Je sais pas si vous avez vu. Ça me permet de one-shot tous les ennemis. Hop. Ouais, let's go, je l'ai eu. Je suis content, très content. Oh la vache, attention. Je recharge. C'est un peu compliqué quand même de conserver son combo, mais on va évidemment. Ouais, let's go, j'ai conservé le combo, j'ai eu un peu de réussite. Hop, parade. C'est un peu sportif, c'est un peu sportif, ça devient très vite sportif, mais on s'en sort. On s'en sort, on recharge et on reprend des munitions surtout. Attention, je cours. Ouais, c'est bon. Je vais tirer sur la dynamite là. Voilà, let's go. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Ouais, il me faut plus de temps. Vas-y, je vais le cut. Ah, je pouvais pas. Ouais, c'est bon. Ah, il me faut un peu plus. Ah, il me faudrait un miracle. Un miracle. Comment il peut se présenter le miracle pour que le temps dure un peu plus? Ouais, il faut que je le cut. Ok, j'ai à chaque fois des... Là, il faut pas perdre de temps. Allez. Là, il me faudrait, ouais. Ouais, du temps en plus. Vite. Vite, vite, vite. Ah, c'est perdu. J'ai pas été... Je sais pas quel rang je vais avoir. Rang A, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est pas... C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Alors on va enchaîner, ouais j'avais quand même fait rang S. On va enchaîner avec le château. On va faire avec Louis cette fois-ci. On va découvrir avec Louis. Donc le niveau du château, visiblement il y a l'air d'avoir 3 niveaux différents. Allez, on va enchaîner avec Louis, c'est parti. Le château, alors ça va être quelle zone? C'est parti. Voilà, d'accord, alors attendez. Parce que si ça tire en catapulte, on va pas s'en sortir les gars. Ok d'accord, ok ça m'a l'air d'être... Oh là là, attention. Oh, c'est trop stylé. Lui il met pas des kicks, Louis. Non mais regardez. Non mais attendez, c'est insane. Oh, j'adore. Ah, par contre il est un peu moins à l'aise au corps à corps. Ah ouais d'accord. Mais c'est stylé. C'est stylé. C'est pas dégueulasse. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Alors où est-ce qu'il y a des ennemis là? Je sais pas, je vais tirer là. Ah quel de... Oh là là, mais il sort. En fait, je sais pas ce qu'il sort. Il sort une sorte de pied de biche. Ouais. Ah, ça envoie du lourd, hein. Ouais, il sort un... Non, pas un pied de biche, mais un tuyau. En fait, carrément un tuyau. Trop stylé. Ah, oh, j'adore. Là il a pas sorti en tuyau, il a fait un gros sprint. Ok. Oh j'adore. Oh j'adore, ça c'est stylé, ça j'aime bien. Ah c'est pas mal parce que ça veut dire que selon les personnages le gameplay est un peu différent. Ok. Ok. Grenade lourde, vite vite vite, explose, explose. Let's go. Alors est-ce que je peux faire... Vite, 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 je cours.
Ouais, let's go. Je vais mettre le mode assaut. Ah, le mode assaut, c'est ça. Ok, d'accord. R3. Ah, je peux remettre une dynamite. Je peux la faire exploser quand je veux. Oh, c'est trop bien. Attention, c'est trop stylé, la dynamite. Je vais remettre une dynamite ici. Allez, 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 explose, petite dynamite. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, let's go. Trop bien, je vais grimper. J'ai l'impression que... Ah oui, oui, il va falloir peut-être que je me remette de la vie. Oh non, oh non, il y a le mec avec la lanterne, je l'entends. Il a dit Gloria las plagas. Attention, je bouge, je vais récupérer le bonus de temps. Non, il faut que je me dépêche là. Spray de premier secours. Ouais, c'est bon. Là. Je garde la grenade paralysante. Oh, le gameplay avec Louis, c'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Très agréable. Là, on va peut-être se prendre une para, là. Regardez. Ouais. Ok. Je sais pas, je pense que je vais réactiver le mode assaut. Allez. Attention. Attention, let's go. Je vais remettre une dynamite ici. Voilà. Ah ouais, lui, il faut l'avoir absolument. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir. Vite, je vais remettre une dynamite ici. Allez. Oh, j'aime beaucoup. Attention. Je m'éloigne. Vas-y. Let's go. Ok, je vais remettre une para. Ok, vite. Je peux enchaîner? Ouais, let's go! Attends, hop. Oh, c'est un peu tendax là, Le but, c'est vraiment de tenir le combo. Alors, non, mais comment je peux louper? Comment je peux louper des balles comme ça? Il y a des moments où je loupe des balles, c'est un peu surréaliste. Voilà. Je vais avancer par là. Vite. Allez, vas-y, explose. Super. Je vais mettre le mode assaut. Je mets une dynamite ici. Attention, faut que je bouge. Oh la vache. Ok. Ouais. Oh, il y a un Garador. Oh là 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 là, j'ai eu chaud. Je vais remettre une grenade lourde. Ouais. Ouais, je vais tout de suite me remettre des soins parce qu'il faudrait pas que je meure. Ça serait bête. Comment je peux l'avoir? Oh, let's go. Oh, let's go, je l'ai eu. Je vais activer ça. J'ai eu un bonus de temps. Attention. Ouais, let's go. Ouais, attendez, ça se passe plutôt pas mal.
Ok. Non. Oh, aïe. Je suis content, mais c'est quoi ça? Je peux pas l'activer. Est-ce qu'on peut se craft des trucs? Ah, dommage. J'avais tellement l'espoir. J'avais tellement l'espoir qu'on puisse se craft des choses. Ça, c'est génial, les dynamites. Vas-y, explose! Ouais, j'en ai eu un. Super. Ouais, grenade. Oh là. Je vais balancer. Non. Explose. Oh non, quel dommage. Trop dommage, mon combo. Je fais péter ça. Oh là là, c'est chaud. Oh là là, il me faudrait encore une para. Non, oh ça aurait été trop beau une para. Je vais remettre la dynamite. Vas-y. Non. Oh la vache. Ouhouhou, je suis en sueur. Ouais. Ça c'est parfait. Ça va être chaud. Là ça va être très chaud pour moi. Ah le salaud, le saligo. Ouais, j'ai conservé le combo. Oh là 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 là, les amis, je sais pas comment je vais m'en sortir. Non, à mon avis, je vais pas tenir. Ouais, je ne pouvais pas tenir. Ça me fait un rang S quand même. Je suis assez content. Vous pouvez maintenant jouer avec Krauser. Ah bah voilà, je m'étais pas trompé. Ça me fait un rang S. Enregistrez votre score dans le classement, bien sûr. Je suis content. Donc, j'ai eu le rang S ici. Du coup, rang S avec Louis. Et ben, on va faire le niveau de Lille. Et on va le faire avec Krauser. Et il faut faire quoi pour avoir l'autre personnage débloquable en obtenant le rang A ou plus dans n'importe quel niveau avec Krauser? Ok, parfait. Et ben, écoutez, on va faire donc Krauser. C'est parti sur Lille. C'est parti. Oh là là, ça a l'air d'être bien ça. Ah, j'aime beaucoup déjà. Ça me plaît bien avec Krauser. C'est quoi notre trick? Ok. Ah, la Krauser, c'est... Ah ouais, c'est intense. On sent que c'est pas un commode quoi, Krauser. Ah mais j'ai l'arc. Ok, d'accord. On va jouer tout le temps avec l'arc. On va pas jouer tout le temps avec l'arc. Je rigole parce que évidemment ça serait pas possible. Oh ça c'est horrible. Oh c'est stylé. C'est quoi ça? Ah ouais. Ah les coups de couteau sont beaucoup plus rapides que Léon. Oh là, par contre, ça, il faut que j'esquive. Ah ouais, d'accord, ok. Recharge plus vite, Krauser. Ah, ça, c'est parfait.
beaucoup plus stylé que Léon, hein, à contrôler, là, les kicks et tout ça, beaucoup plus stylé. Hein. Enfin, beaucoup plus simple, peut-être. Non, peut-être plus simple. Ouais, c'est peut-être plus simple, en fait. Ah, il est très fun. Alors, moi, j'avais jamais fait le mode mercenaire du... De RE4 original. Ok, super. Donc, je pense qu'on avance. Je pense qu'il faut avancer par là. On va avoir du monde. Ok, ça c'est bon. J'avance. Faut être rapide, il y en a un qui est tombé dans mon dos, je crois. Non ? J'ai cru entendre dans mon dos. Oh non, je vais rater le combo. Je vais rater le combo. Ouais, j'ai eu. Parfait. Ok. Ah ouais, mais attends, mais Crozer, c'est difficile, hein. Parce que là, regardez les secondes. Il y a le bonus de temps là-bas, il faut que j'y aille. Et il y a le... Voilà, c'est bon. Allez, vas-y. C'est quoi l'amélioration mode assaut, c'est quoi? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi L2 plus R2? Oh, trop stylé! Oh, c'est insane! Ah, ils ont grave assuré sur ce mode mercenaire. Beaucoup, mais beaucoup mieux que R8, hein. Beaucoup mieux. 30 secondes. Mais genre, mon combo s'est terminé. Ah mais attends, mais ouais, mais ça c'est... J'aurais dû utiliser ça. Ok. Il est où? Vas-y. Ouais, let's go. J'aurais dû utiliser l'arc beaucoup plus tôt. Non, pas ça. Son couteau est insane à Crozer. Ok, ça c'est plus... Ah ouais, il y a beaucoup plus de nervosité que... Beaucoup plus de nervosité que dans le... Vas-y, je recharge. Ah ouais, je peux faire des esquives. Ah oui, je pensais pas que je pouvais. Regardez. Ah oui, je peux avancer hyper vite avec Krauser. Regardez. Oh là 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 là. Oh là là. Ça c'est plaisant. Alors ça dure pas hyper longtemps mais... c'est fun. C'est hyper fun. Ok, je fonce par là. Vite, go. Le bonus de temps on l'a. Hop, t'es pas foncé toi? Voilà, ça devient chaud. Vas-y. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, j'ai récupéré des flèches. Ok.
il délivre des coups de cut à une vitesse. Par contre, on va arrêter de jouer au héros, hein. Faut faire gaffe quand même. Attention! Oh, oh mais c'est incroyable! Alors, est-ce que ceux qui auraient joué à Resident Evil 4 original, le mode mercenaire, est-ce que certains pourraient me dire si... C'est ça en fait, c'est, si on pouvait déjà incarner Krauser dans le mode mercenaire. Et si on pouvait déjà faire tout ça. C'est le plus simple, hein. C'est le plus simple, Krauser, je trouve. Attention. Ok. Allez. Ah ouais, mais du coup ça bouffe beaucoup de Ah, on se croit un peu surpuissant avec Krauser. Attention, Vlin. Let's go, let's go. Attention. Let's go. On se tente le combo. Ah mais là à ce niveau là moi je tente le combo Ouais, je tente le combo façon. Allez là, regardez. On va se faire. Oh, il y avait une allée princière. Ouais, parce qu'en plus je... Attends. Non! Ah, quel dommage! Quel dommage! Je m'arrête plus. Ah, c'est... En plus, c'est addictif. Beaucoup plus... Non, mais vraiment beaucoup mieux que le Resident Evil Village. Enfin, après, vous me dites dans les commentaires ce qui vous semble le mieux, mais je trouve que c'est le plus... Attention. Je recharge. Fichez-moi. Je vais crever, non. Je vais crever, non, je vais pas crever parce que... Ok. Ok, ça c'est bon. Oh, j'ai tué tous les ennemis. Incroyable. J'ai quoi, S++? S+.
Let's go. Vous pouvez maintenant jouer avec Hunk. Enregistrez votre score dans le classement. Ah, j'ai débloqué le N canon dans la boutique spéciale. Enregistrez votre score. Bah ouais, je l'enregistre. Trop bien. Ah, j'ai fait le S+. Ah, c'est cool. Bah, on va jouer avec Hunk rapidement. Trop bien. Et j'ai débloqué le N canon. C'est cool, ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ok, d'accord. Ah, j'adore avec Hunk. Ça me plaît bien. Ah, c'est ça, son attaque de mêlée à Hunk. C'est trop bien. Ok, j'espère vraiment qu'ils rajouteront... Ah, j'ai l'impression que c'est un peu une variante de la musique qu'on avait avec Hunk dans Resident Evil 2 Remake. Let's go. Trop bien. Qu'est-ce que c'est plaisant. C'est très plaisant. Mais je crois qu'en fait... Ok, ça c'est bon. Ouais, c'est une petite variante de la musique qu'on avait avec Hunk dans Resident Evil 2 Remake. La musique, c'est une variante. Ah, je peux activer le mode assaut. Ok, c'est infini, munitions illimitées. Oh, je fais tout exploser là. Mais c'est hyper long en plus. Oh, c'est génial. Ça c'est... J'adore. Quand ça bourrine un peu, j'adore. Non, ça j'aime moins. Quand il se relève, lui... Oh, lui aussi, il m'énerve. Je monte. Je monte à l'étage. Ah, ça me remet mon... Ok, d'accord, ça me remet le mode assaut à fond. Non, ça me fait augmenter la jauge du mode assaut. Ok, j'avais pas compris. Ah bah non, ça me fait pas augmenter, je sais pas. Ah mais non, je peux l'activer, d'accord. J'ai deux... Je peux l'activer en fait. Je pouvais l'activer deux fois d'affilée, ok. Ok, il y avait deux petits carrés. Par contre, il m'a fait mal. C'est qui le mec qui me tire à... Il est là-bas. Cinquantaine mille tués. Qu'est-ce que c'est détendant. Attention, j'étais plus en munitions infinies, hein. Ouais, c'est très très détendant, là. Non. Laisse-moi tranquille. Allez, il faut que j'aille chercher le bonus de temps là-haut. Faut que j'y aille. Je grimpe. On n'a pas le temps. Ah, lui, je peux le tuer. Ok. C'est bon. Ah, j'ai une fois le mode assaut qui est chargé, je vais l'activer. Oh, le carnage. Ah, là c'est bon, le mode assaut est terminé. Ah, je peux le réactiver encore. Je peux le réactiver, mais je vais descendre.
Attention, attention, attention. Faut pas que je prenne trop goût. Oh. Voilà, c'est bon. Il faut que je refasse, faut que je refasse des exécutions là. Faut que je refasse parce que les munitions partent très très vite. Parfait. J'adore le truc qu'il fait avec ses petites mains une fois qu'il a fait une exécution. Je cours, je cours, je cours. Laisse-moi te faire l'exécution, mon coco. Waouh, regardez le truc qu'il fait avec les petites mains là. En mode le magicien quoi. Le magicien. Ok. Mode assaut disponible, on n'a pas le temps. On l'active. Là aussi on n'a pas le temps, il faut qu'on prenne les soins. On est quasiment à 100 ennemis tués. Est-ce que c'est à 150 ennemis qu'on a terminé? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Il faut que j'arrive à voir s'il n'y a pas un bonus de temps quelque part là-bas. Il y a un bonus de temps, je l'ai vu. Ok, je l'ai vu. Non. C'est bon. J'essaie de maintenir le combo. Ok, ok, ça c'est... Ça c'est moins cool. Oh, ça c'est plaisant. On est à 103. Il en manque plus beaucoup. Plus beaucoup d'ennemis. 150, hein, c'est ça. Peut-être que c'est comme Crozer, il faut en tuer 150. Ou alors pour chaque niveau. Ennemis. Voilà. 112. Dès que le mode assaut est... En fait, on peut... Ouais, parce qu'en fait, si on charge le mode assaut, vous voyez, il y a deux jauges. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que du coup, bah après, ça fait un mode assaut hyper long. C'est ce qui m'a permis, en fait, de regagner du temps tout à l'heure. Parce que du coup, j'ai canardé. Avec Hunk, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. En fait, avec chaque, hein. Je trouve que pour l'instant, à vue d'œil, j'ai envie de dire que c'est quand même... attention, parce que là, il y a des plagues. Je dirais à vue d'œil que c'est quand même le... Ah, on peut tuer par devant. Avec Hunk, on peut faire une exécution par devant. Ouais, c'est Louis le plus difficile. C'est Louis. Non, 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 le, aïe, 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 le combo qui foire, parce que l'autre me foutait des coups, là, c'est plagard, là, ah, je vais... Les salauds, je recharge. J'ai pas le choix, faut pas que le combo s'arrête. Laisse-moi mon coco. J'ai plus de couteau. Ah, il est quasiment terminé mon couteau. 132. Oh, le mode assaut, je peux l'activer. Allez, allez, allez. J'essaie d'avoir tout le monde. Vous voyez, le mode assaut il dure beaucoup plus longtemps parce que j'ai vraiment, vraiment pris le temps d'économiser.
Il veut pas mourir le tronçonneur. C'est bon, il est mort. Ouais, je crois que j'ai eu tout le monde. J'ai eu tout le monde, c'est 150 ennemis. Let's go! Ça me fait combien comme score? S+. Let's go! Bah écoutez les gens, c'est terminé. Ouais, j'ai fait S+. Ah ouais, c'est cool. J'ai fait S+. C'est cool. Écoutez les gens, ça y est. Classement, c'est quoi mon classement? Je suis 23 493. Ah ouais, il y a des gens qui sont vraiment au taquet, quoi. Bon bah écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette découverte, hein, c'était vraiment une découverte. Le but, c'était pas de péter les scores. Cette vidéo, bah, j'espère qu'elle vous a plu. Que si vous, bah, si vous voulez encore du mode mercenaire sur ma chaîne, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez encore du Resident Evil, n'hésitez pas à le manifester en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche des notifications. Et puis, posez votre petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était Dexter.